Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le dimanche 17 juin 2018 et on va parler de quoi ? On va parler de ma configuration d'Euro Truck Simulator 2. Et oui, dans mon précédent live, donc la diffusion improvisée que j'ai faite hier, voilà, où je roulais avec Euro Truck Simulator 2, voilà. Donc j'ai parlé un petit peu de tout, voilà. Et ici, j'ai José Lito qui m'a mis un petit commentaire, voilà, qui me dit « Salut Adrien, une vidéo tuto sur ton paramétrage complet de TS2 serait sympa. » Donc voilà la vidéo paramétrage. Pour planter le décor assez rapidement, voici ma configuration matérielle, XI-F, voilà. Donc j'ai un PC portable, Asus N76VZ, voilà, donc qui date de 2012, hein, donc il a quand même 6 ans. C'est pas tout jeune. Dessus est installé Calculate Linux Desktop Mate. Mate 1.20.1. Bon, ça on s'en fout un peu. Noyau 4.14.39. Le processeur, c'est un Intel Core i7 3610QM. Donc avec 6 mégas de RAM. Mégas de cache, pardon, pas de RAM. Et 3,3 GHz au niveau de la fréquence. Le processeur, c'est un. C'est pas là. Donc j'en ai parlé. La carte graphique, c'est une Nvidia GeForce GT650M. Qui dit 650M dit Optimus. Donc en fait, par défaut, c'est la Intel qui fonctionne. C'est une carte Intel HD graphique. Et puis, sous Windows, quand ça demande un petit peu plus de puissance graphique, ça fonctionne avec Nvidia. Sous Linux, eh ben, ça fonctionne pas avec le pilote Nvidia. Il faut passer soit par Nvidia Prime, qui ne fonctionne carrément pas sur ma machine, ou Bumblebee, qui est une petite solution maison. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut installer si vous êtes dans ce cas-là, sous Calculate Linux. Voilà. J'utilise Xorg, hein, pas de session Wayland, et j'ai un écran 1080p. Ok, on a fait globalement le tour. Bon, carte son, on s'en fout. Carte réseau, AR 81-61 gigabits Ethernet de Atheros. Voilà. Et le jeu, si, le jeu est sur un OCZ Vertex 4. Donc là, il n'y a même pas la marque. Mais c'est un OCZ Vertex 4. Voilà. Ça c'est au niveau matériel. Au niveau logiciel, donc pour faire fonctionner l'ensemble, j'ai installé les pilotes Nvidia, donc 396-24 à ce jour. Ces pilotes Nvidia ont été tirés par Bumblebee, hein, qui est un service qui permet de faire appel aux pilotes Nvidia quand il y en a besoin. Donc on le fait manuellement. Sous Linux. Hop, tiens, quand on parle de José Lito, je vais juste fermer ça, le temps de la vidéo, voilà. Donc ici, c'est Bumblebee en version 3.2.1 avec un petit patch 2017-0309 qui est un petit peu plus récent que celui disponible dans Gen 2. Voilà. Donc j'ai dû faire la mise à jour parce que je devais à un moment donné en avoir besoin suite à un dysfonctionnement, voilà. Donc ça c'est Bumblebee, donc vous le trouvez dans l'Adrien Overlay sans souci. Vous avez Primus aussi que vous pouvez installer pour appeler les logiciels avec la commande Primus Run. Voilà. Donc disponible et stabilisé dans l'Adrien Overlay. Et pour terminer, donc si vous installez le Steam Launcher, donc sur Calculate Linux, ici vous aurez la 1.0.0.54-R1. Ce Steam Launcher en fait va fonctionner sur vos jeux, sauf que Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator 2, en fait les jeux de SCS Software, vont avoir un petit souci pour se lancer suite à des appels par défaut dans le Steam de bibliothèques qui n'existent pas ou qui sont incorrectes. Et donc vous pourrez retrouver le Steam Launcher patché dans mon Adrien Overlay. Voilà, avec une petite révision 3, mais avec la même version. Voilà. Et pour terminer avec, j'ai oublié le matériel, je dispose d'un volant Logitech Momo Racing. Voilà. Ça c'est pour la partie matériel logiciel. Maintenant on va lancer Steam et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, bon, ça c'est Euro Truck Simulator 2. Donc ici, dans les propriétés, ça vous avez à faire ça que si vous êtes sur Nvidia Optimus, vous, dans l'onglet général du jeu, vous faites définir les options de lancement, vous mettez OptiRun %commande%, donc qui compte, c'est une variable d'environnement qui contient
la ligne de commande de lancement du jeu que je préfixe de la commande OptiRun pour fonctionner avec la carte Nvidia et avoir une bonne fluidité. Voilà. Bon, après, bon, la DLC, voilà, ça c'est les contenus additionnels que j'ai. Donc, je vous laisse mettre en pause si vous voulez voir. Et donc là, cette fois-ci, on va lancer le jeu. Parce que ça fait quand même 5 minutes que je blablate. Mais on n'a pas vu le paramétrage dans Euro Truck Simulator 2. On a juste vu le paramétrage de la machine, contexte machine. Donc voilà, Euro Truck Simulator 2, à cet instant, c'est la version 1.31.2 qui est utilisée. Voilà. Et donc, moi, j'ai qu'un seul profil. Hein, je joue qu'avec un seul profil. C'est le mien. Donc, voilà. Niveau 84, 320, 4000 km parcourus. Ça en fait des bornes. Donc, je vais pas vous présenter finalement le jeu en lui-même, mon profil, mes garages et tout ça. C'est pas le but de la vidéo, c'est surtout pour que vous voyez mon paramétrage. Donc, on va aller dans les options. Graphisme. Donc, là, je joue en plein écran. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours joué en plein écran. Là, je joue en plein écran. Voilà. Donc, en 1080p. Synchronisation verticale, faut désactiver hein, quand on est sur un écran LCD. C'était bien pour les écrans CRT, donc avec tube cathodique. Donc ici, la mise à l'échelle, je sais même pas pourquoi c'est comme ceci. Donc voilà, j'ai activé l'eau, rendu dynamique, la profondeur de champ, rayon de soleil, correction des couleurs. Donc vous voyez, j'ai poussé les graphismes à fond, sachant que j'ai un PC qui est vieux de 6 ans, donc une carte graphique qui est vieille de 6 ans, qui n'est pas une carte graphique gamer, hein, c'est pas une GTX, mais c'est très fluide dans le jeu. Après, quand je lance l'enregistrement et le streaming, c'est beaucoup moins fluide, mais bon voilà. Donc au niveau du paramétrage, donc tout ce qui est détail de reflets, végétation, densité de l'herbe, qualité des ombres, tout, enfin jusqu'à qualité des ombres, c'est en élevé. La qualité de la texture d'ombre, j'ai laissé en faible parce que si je passe en élevé, j'ai quelques petits soucis. Qualité de la météo élevée, qualité des rétroviseurs, bon bah moyen, c'est pas la mort. Résolution des rétroviseurs moyen, de toute façon je les utilise très très peu, il faut juste voir si on a des voitures derrière. Après, quand je juge pas utile de mettre élevé, je mets pas élevé vu que j'ai pas un super PC. Voilà. Qualité des textures élevée, filtre anisotropique. Bon voilà, il est ici. Donc j'active quand même les phares du trafic pour voir dans la nuit les voitures. Lumière secondaire du véhicule aussi. Voilà, tout est élevé. J'active quand même les piétons parce que j'ai envie d'avoir un peu de réalisme. Au pire, si vous n'avez pas un super bon PC, moi je vous conseille de réduire la qualité, les détails de la végétation, la densité de l'herbe, mais garder par exemple les piétons quand même. Ça met un peu plus de réalisme, surtout dans la ville. Au niveau de l'audio, bah c'est simple, moi tout est à fond, hein, histoire de pas. Voilà, souvent j'écoute de la musique en même temps, donc je veux quand même entendre le moteur. Ici, donc j'active les effets sonores qui sont les spoum, splim, boum, touloum, les petites notifications qui sont en plus des messages dans le jeu. Moi je désactive toujours la musique des jeux. Je conserve quand même le signal de recul du camion quand il recule. Et les bandes rugueuses. Vous savez, quand vous roulez sur la bande d'arrêt d'urgence, vous entendez le dans la cabine. Au niveau de la jouabilité, donc là, bon, bah, le thème, je m'en fiche. Ça, c'est pas très intéressant. J'ai activé la simulation de la fatigue. Donc c'est le fait qu'on doit aller se reposer régulièrement sur les aires d'autoroute. Les infractions de la circulation, pour rendre tout ça un peu plus réaliste. La longueur préférée du trajet, donc c'est maxi. Au niveau du GPS, vous pouvez ne pas afficher l'imitation de vitesse. Alors, moi je les affiche en version poids lourd, pas en véhicule léger. Parce que c'est celle auquel j'ai affaire. Et c'est surtout que, parfois, les panneaux qui sont sur la route ne reflètent pas la réalité. C'est-à-dire, des fois, vous sortez d'une ville, vous l'avez vu d'ailleurs dans mon live, on sort d'une ville. De fait, en France, on n'est plus à 50, mais on est à 80 pour les camions. Eh bien, on ne sait pas pourquoi, le jeu définit toujours à 50 la vitesse. Donc, je préfère afficher les limites. Voilà. Donc ici, l'avertisseur de dépassement, c'est le fait que le kilométrage soit en rouge. Boîte de dialogue du stationnement automatique, je ne sais pas ce que c'est. Donc il y a une petite fenêtre d'avertissement pour les marchandises exceptionnelles pour dire attention, est-ce que votre camion il est assez puissant. La carte, moi je la laisse verrouiller sur le nord, j'affiche la navigation, ok.
Donc le GPS, soit vous avez le plus rapide, le plus court, pour éviter les autoroutes, hein, comme un GPS classique. Donc moi c'est le plus rapide. Voilà. Donc là, au niveau de l'emplacement de livraison, moi je préfère sélectionner ce que je veux. Vous savez, quand on arrive à la fin, soit on passe, soit on stationne facile, soit on stationne dans l'emplacement prévu par le jeu. Donc moi je préfère toujours sélectionner quand j'ai pas envie ou quand c'est la nuit puis que j'ai pas envie des fois de parce que la luminosité est pas terrible dans le jeu, la nuit, surtout s'il fait jour dans la maison, c'est pas forcément évident. Donc je préfère toujours sélectionner à l'arrivée comment je veux me garer. On active des éléments routiers aléatoires, pas trop non plus. Donc les éléments routiers aléatoires sont les voitures qu'on voit sur le côté arrêté, c'est les bouchons dans les autoroutes suite à des travaux posés aléatoirement ou les pompiers qui sont là qui gèrent un accident. Probabilité de pluie, j'en mets un petit peu, mais pas trop. Donc les fuseaux horaires, bon bah je sais pas ce que c'est, je vous avoue. Ça doit être le paramétrage par défaut. Afficher les cinématiques, je désactive hein, tout ce qui est. Vous savez, quand on arrive, puis qu'il y a une cargaison, vous chargez la cargaison, vous avez une petite cinématique, bon, on s'en fiche un peu. Voilà. Au niveau du camion, donc, moi, c'est une boîte automatique réelle, c'est-à-dire que je passe manuellement la marche avant, ou je passe manuellement la marche arrière, ou le point mort. Et après, une fois que la marche avant est passée, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 se fait automatiquement. Donc c'est une automatique réelle. Le problème de l'automatique simple, c'est que avec les pédales du volant, eh ben, quand vous freinez, en fait c'est l'équivalent de la flèche du bas quand vous jouez avec le clavier, eh ben, quand vous freinez, vous arrivez par exemple à un feu tricolore, vous freinez, vous arrivez à 0 km/h, et donc si vous laissez votre pied appuyé sur le frein, vous reculez. Donc c'est pour ça que j'ai l'automatique réelle. De fait, je mets pas le frein de parc quand je m'arrête à un feu, hein. Surtout quand la route est un petit peu en descente. Donc ici, bon bah l'autocentrage de la direction clavier, bon bah c'est activé par défaut, mais j'utilise pas le clavier. Je l'utilisais au début, donc j'ai laissé ce paramétrage. Intensité du freinage, je veux que ça freine, mais pas trop fort. La remorque, je la mets stable sans trop plus. Attelage avancé de la remorque, alors je sais pas à quoi ça correspond. Le limiteur de vitesse, donc il n'est pas activé. Le limiteur de vitesse, c'est il vous bride la vitesse à 90 km/h. Bon, non, j'ai pas activé. Je préfère avec les pédales gérer mon régulateur comme j'en ai envie. Contact et démarrage automatique du moteur. Donc en gros, j'appuie sur la pédale d'accélération, ça démarre. Sinon, il faut que j'appuie sur la touche E. Voilà. Simulation de la pression d'air, donc j'ai pas activé parce que quand j'avais activé pour du réalisme, ça m'avait un petit peu embêté parce que je suis pas mécano, donc voilà. Consommation de carburant réaliste, par contre je l'ai activé, c'est pas une option qui est active par défaut. Ce qui fait que en fait la consommation de carburant réaliste, c'est vous appuyez à fond sur l'accélérateur, vous êtes en montée, vous allez user plus de carburant que si vous êtes en descente puis que vous appuyez pas sur l'accélérateur. En gros, vous êtes en descente, vous appuyez pas sur l'accélérateur, et ben vous voyez que votre jauge de carburant ne descend pas. Si vous mettez pas la consommation de carburant réaliste, et ben si vous êtes en montée, vous consommez pas plus, vous consommez une moyenne bidon, et quand vous descendez et que vous appuyez sur rien du tout, vous consommez de l'essence. Donc je préfère avoir une consommation de carburant réaliste, surtout que en fait, une fois je suis arrivé près de la station essence, j'étais en descente, hein, donc je pouvais aller, j'étais à sec, je pouvais aller au moins jusqu'à la station d'essence. Et le souci, c'est que, vu qu'avec la consommation réaliste, je suis tombé en panne d'essence, et puis ça a fait n'importe quoi. Donc là, comme ça, quand j'ai plus beaucoup d'essence, je vais moins vite, et donc j'économise de l'essence. Voilà. Contrôle des variations du régulateur, donc ça, c'est-à-dire que quand on met le régulateur de vitesse, après on a les touches, enfin moi j'ai les touches sur le volant pour augmenter ou diminuer le régulateur, donc ça y va par tranche de 5 km/h. Sinon on peut mettre 2 ou 1, mais 5 c'est parfait. Le régulateur de vitesse adaptatif, donc c'est-à-dire il y a une tolérance de 5 km/h, c'est-à-dire si j'ai le régulateur à 90, que ça descend un peu, il va jusqu'à 95 km/h et après il freine. Retour automatique de clignotant, voilà, c'est je mets le clignotant, je retourne le volant dans l'autre sens, le clignotant s'arrête comme en vrai, quoi. Et puis mouvement des accessoires de cabine, c'est en gros quand vous serrez le point mort, ou voilà, vous voyez la cabine s'animer. La caméra, bon bah j'ai laissé globalement par défaut.
Et ensuite, la langue, c'est du français, pré-réglage européen. Voilà, je suis en Europe, donc moi j'affiche tout en euros. Voilà, j'affiche l'heure sur 24 heures, les unités de distance, kilomètres, kilos, enfin bref, tout ce qu'on utilise en France. Voilà, les unités de consommation, bah, c'est par défaut, ok. Donc ça, c'était la partie jouabilité. Au niveau du clavier et des boutons, donc là, le truc, c'est que j'utilise plus guère le clavier. Hein, mais bon, les touches sont par défaut. Après, les rapports inférieurs, supérieurs des vitesses, c'est Q et W. Donc ça, c'est par contre la petite manette qui me permet de passer les vitesses sur le volant. En fait, si j'utilise ça, au moment où je passe ma vitesse sur le volant, eh ben, en fait, je passe du point mort à, par exemple, la boîte vitesse automatique, avant, et si je tire, je passe à arrière, sauf que si le levier de vitesse revient sur son position d'origine, ce qui est son truc par défaut sur ce volant, eh ben je reviens au point mort. Donc du coup, je passe quand même la marche avant et la marche arrière avec les touches Q et W du clavier. Voilà, le frein de parking, c'est espace, le frein moteur, c'est B, bon, chose que j'utilise peu souvent. Donc les clignotants, bon voilà, j'utilisais majuscule gauche et puis ça c'est pas top hein, mais c'est ça correspond au simple enfin au chevron inférieur et supérieur. Et ici donc on a les deux touches du joystick enfin du joystick du volant qui permettent de passer les clignotants gauche et droit. Voilà. Bon, OK, feu de détresse, mode d'éclairage, donc c'est la touche L par défaut, sinon j'ai un bouton sur mon volant, donc sur le joystick. Voilà. Pareil pour les feux de route, ici, c'est la touche K. Donc là, vous allez voir les appels de phare. Voilà, j'ai une touche sur le volant pour faire les appels de phare, histoire de voir, des fois, quand c'est vraiment la nuit noire, les petites routes, le virage de au loin. Les essuie-glaces, pareil, j'ai le bouton sur le volant. Le régulateur, j'ai le bouton sur le volant, avec augmenter ou diminuer la vitesse du régulateur sur le volant. Voilà, et puis après, bon, globalement, les touches, j'ai laissé les touches par défaut, les vues caméra, j'utilise pas les vues caméra, si ce n'est la caméra intérieure que je remets par défaut avec soit le clic de la souris, soit un bouton sur le volant. Voilà, et puis après, bon, bah, pour activer des boîtes de dialogue, pour atteler, dételer, bah, vu que ce sont des choses que j'utilise très très peu, une fois par voyage, j'ai laissé des combinaisons du clavier parce que j'ai pas non plus beaucoup de boutons sur le volant. Voilà, donc ça c'est les claviers boutons. Au niveau du contrôleur, donc ça c'est le volant. Donc vous voyez ici, je joue en mode clavier Logitech Momo Racing. Donc c'est un volant, je laisse donc en automatique réelle. Donc transmission auto-adaptative, je sais pas ce que c'est, donc c'est désactivé, tiens, bizarre. C'est vrai que je regarde ce paramétrage. Donc là, la direction est plus ou moins sensible. Voilà, donc ça, c'est des paramétrages que j'ai fait à force d'utiliser le volant. Voilà, donc le retour de force est activé, même si sous Linux, il ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, hop, on passe. L'axe de direction, donc c'est le volant. Vous voyez, si je tourne le volant, voilà. On voit le curseur ici. On peut indiquer une zone morte, c'est-à-dire que là, par exemple, mon volant, il est tout droit. Là, mon volant, il est tout droit. Si je tourne un petit peu, hop, vous voyez, le curseur commence déjà à s'activer. On peut mettre une zone morte, ce qui fait que si on bouge un petit peu le volant comme ça, il se passe rien dans le jeu, donc on reste vraiment réaliste. Voilà. Pareil, donc pour l'accélération, on a la pédale d'accélération, donc c'est celle-ci, voilà. Plus j'appuie fort, voilà, hop, si je relâche un petit peu, voilà, on voit ça. Donc ici, l'axe d'accélération, bah, il est inversé, c'est-à-dire que si, voilà. Pareil pour le freinage, donc le joystick, la pédale de frein, ici, voilà. Donc vu que sur le volant, j'ai que deux pédales, hein, j'ai pas d'axe d'embrayage, voilà. Donc ici, pour regarder vers le haut et vers le bas, on pourra avoir un joystick supplémentaire pour regarder vers le haut et vers le bas. C'est pas paramétré. J'utilise la souris. Hein. Et puis, donc après, voilà. Bon, on peut avoir la boîte de vitesse ici. Donc, avec la position, boîte de vitesse et tout. Mais ça fonctionnait pas correctement. Donc, j'ai laissé du paramétrage par défaut. Voilà.
Bah quoique, il était peut-être là en fait mon paramétrage de boîte de vitesse. Attendez. Hop. Je vais essayer. Je vais essayer de faire comme ça. Ça se trouve que ça va marcher cette fois-ci. Attendez, on va essayer. Hop. Ça serait bien, comme ça mes vitesses marcheraient avec le truc de vitesse. J'ai bien fait de faire cette vidéo finalement. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est quand je mettais la vitesse avant, et ben je revenais au point mort. Mais c'est peut-être juste parce que c'était pas paramétré. Alors, hop, voilà. On va voir si je fais ça. Hop. Ouais, non, vous voyez, je mets le truc avant. Je passe bien en mode avant, mais je reviens au point mort dès que je relâche le truc. Pareil, en arrière. Voilà. Donc non, ça marche pas du tout. Donc je vais retourner dans les options. Et ce que je vais faire, je vais remettre ce truc rapidement. Alors hop, voilà. Cette touche de vitesse, j'avais attribué ça à la caméra intérieure. Voilà. Hop. Et là, je vais désassigner les touches. Alors. Voilà, vu que ça marche pas. Ok. Voilà, donc globalement, mon paramétrage de Euro Truck Simulator 2, tant au niveau du matériel, de la gestion graphique et des commandes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc qui sera la vidéo du retour Arch Linux. Du retour Arch Linux hein, qui est juste ici, voilà, je l'ai déjà enregistré, retour de l'utilisation de Arch Linux après 7 mois d'utilisation dans une machine virtuelle. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo. Allez, à ciao.